Yo, salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu découvres la chaîne à travers cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper sur nos prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir en première partie l'arrivée de l'artiste Dice Bloom à Pointe-Noire pour son cancer. Et en deuxième partie, vous allez découvrir les propos du pasteur Marcelo sur l'artiste KS Bloom. Alors, c'est parti pour cette première partie. Comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, KS Bloom avait annoncé son arrivée à Pointe-Noire pour son concert live. Et au moment où nous parlons, l'artiste est déjà à Pointe-Noire et il prépare son concert pour ce dimanche 7 août. Et donc, pour ceux qui sont à Pointe-Noire, partez donner de la force et compte sur vous. Si je m'adresse à ma grande famille de Pointe-Noire, le Seigneur nous a fait grâce du côté du casino de Paris, ça s'est bien passé, les Parisiens nous ont bien reçus. Et maintenant que je viens dans mon pays, hein, que je viens vers vous, parce que j'ai un petit côté congolais quand même. Alors venez là de suivre donc l'arrivée de KS Bloom à Pointe-Noire, qu'on attend voir le concert. Et on passe donc à la deuxième partie de notre vidéo, nous vous laissons donc découvrir cela. KS Bloom, KS Bloom, KS Bloom, KS Bloom, que Dieu te bénisse, c'est un serpent dans les mains de Dieu pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons, qui est 1000 KS Bloom, 2000 KS Bloom, donne-moi un amen. Arrêtez de mettre mal à l'aise les belles femmes et les beaux garçons et les gens intelligents à l'église. Si un frère est très intelligent à l'église, c'est quoi? Frère, toi tu es trop intelligent, hein? Oh, qu'est-ce que tu veux? Que ce soit bête. Tu es trop intelligent, vraiment. C'est comme si dans l'église, il faut niveler les gens vers le bas. Toi avec tes français compliqués. Mais j'ai beaucoup étudié, non? Donne-moi la main, donne-moi la main. Et ça fait que nos églises ne sont pas prêtes à recevoir ces gens. Même quand nous convertissons les stars, nous convertissons les autorités, quand les autorités et les grands professeurs d'université viennent à l'église, on ne sait quoi faire d'eux. Regarde. S'il commence à se donner, le pasteur lui donne de la place. Hein, parce qu'il est, intelligent. Hein, parce qu'il est, il est chef. Non, ce n'est pas parce qu'il est chef, c'est parce qu'il est zélé. Maintenant, vous embrouillez notre leadership par vos complexes d'infériorité. Vous voulez qu'on ait comme secrétaire seulement les gougou, gougou, gougou. Mais quand tu vas dans Air France, lorsque tu vas dans Air France, Bruxelles Airlines, et tu vois vraiment des filles là qui servent, que voulez-vous boire, qu'est-ce que voulez-vous manger, s'il vous plaît, nanana, il n'y a pas de problème. Mais si à l'église on les place comme protocolaire, tu te sens en danger. Que voulez-vous? Qu'elles aillent en enfer, hein? Ou qu'elles viennent à l'église, il faut leur donner des foulards et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici, et des robes jusqu'ici. Elles doivent marcher maintenant comme ça. J'ai souffert à l'église, hein, parce que moi je crois que je suis beau. Oui, oui, moi je me trouve beau. Alors un jour là, je viens à l'église, je m'habille très très bien. Parce que moi quand j'étais dans le monde, j'étais sapeur. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapé. Et je suis venu à l'église. Le frère me dit, Marcelo, pourquoi tu es bien habillé comme ça? J'ai dit, oh. J'ai dit quoi? Tu es trop bien habillé. J'ai dit, mais ça va séduire les serres. J'ai dit, maintenant mon visage là aussi que j'ai caché, hein. Beau garçon, sois à l'aise à l'église. Sers Dieu, deviens prédicateur de la parole. Dieu va t'utiliser pour influencer. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Et Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, le fils de l'homme sera aussi élevé. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Serpent contre serpent. Moïse a jeté le bâton. Qui est devenu le serpent? Les magiciens ont jeté le bâton. Qui est devenu le serpent? Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Donne-moi un amen. C'est pourquoi que Dieu bénisse KS Bloom. KS Bloom. KS Bloom. KS Bloom, que Dieu te bénisse. C'est un serpent dans les mains de Dieu pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons, qui est 1000 KS Bloom,
2000 cash bloom. Donne-moi un amen. Est-ce que je peux te poser une question? Qui est le plus grand serviteur de Dieu de l'Ancien Testament? Moïse, un serpent, très intelligent. Il a étudié dans les grandes universités de l'Égypte. Il pouvait écrire le Pentateuch. Ce n'était pas n'importe qui. Il n'avait pas que l'onction, il avait le cerveau. Il pouvait diriger une église de 2 millions de personnes. Il avait l'administration, la décentralisation du pouvoir. Il a reçu le cours par Jéthro. Qui est le plus grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament? Paul. Il a étudié chez qui? Chez Gamaliel. La plus grande université de ce temps-là. C'était un homme calé dans la loi juive qui maîtrisait. Et lorsqu'il, un homme qui maîtrise la loi entre dans la grâce, il peut te démontrer la grâce dans la loi. L'Ancien et le Nouveau Testament sont fondés sur deux serpents. Quand je dis serpent, ce n'est pas Satan. Ce sont des personnes leaders, des personnes influentes. Nous devons prévoir dans l'église avoir des leaders et engendrer des leaders. Car un leader influence par sa vie. Imagine, tu deviens le chef d'entreprise de 1000 personnes. C'est facile que tu puisses inculquer l'évangile. Alléluia! 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 Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour toi. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Surtout de partager la vidéo à tes amis.